Dit is eigenlijk een groot project. We zijn bezig met 14 universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. Het doel van het project is het bestuderen, het inventariseren en in kaart brengen van juridische bronnen uit de 19e en de 20e eeuw. Dat is fantastisch materiaal, omdat het sporen bevat van de levens van honderdduizenden mensen, waarvan anders eigenlijk weinig of niets bewaard is gebleven. Het zijn hele rijke bronnen. Het gaat over alle mogelijke aspecten van het leven: liefde, dood, vechtpartijen, maar ook erfenissen, betwistingen over huizen, tussen muren, een beetje van alles. Het leven zelf. En het is dus eigenlijk prachtig materiaal voor historisch onderzoek en voor familiegeschiedenis. In Brussel lag de nadruk voornamelijk op het strafrechtelijk luik van justitie. Dat wil zeggen dat we vooral archieven hebben geïnventariseerd van de gerechtelijke politie, van het parket van de Procureur des Konings en van de Correctionele Rechtbank van Brussel. En in de voorbije jaren zijn er zo inventarissen gecreëerd van het archief van de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Vorst, van het archief van de gerechtelijke politie van Brussel en van het archief van het parket van de Procureur des Konings van Brussel. Verder zijn er nog een aantal inventarissen die in de pipeline zitten, onder andere van de Correctionele Rechtbank van Brussel. Er zijn wel een aantal dossiers die mij zijn opgevallen, voornamelijk van de Correctionele Rechtbank, waarin we al heel vroeg het opduiken van experten zien en waar we zelfs bij gebrek aan fotografisch materiaal toch al zeer gedetailleerde tekeningen vinden in dossiers, heel vrij volumineuze plannen eigenlijk, die ja, qua details vaak de fotografie zelfs overstijgen. Le projet PAI à Liège, donc on a travaillé en partenariat donc avec la Direction générale des établissements pénitentiaires pour essayer de récupérer un maximum de documents qui étaient encore dans les prisons, donc tous les documents anciens. On a travaillé avec 5 établissements différents pour en moyenne 500 mètres linéaires d'archives. On a travaillé donc avec la prison de Huy, la prison de Verviers, la prison de Lantin, la prison de Nivelles et la prison de Namur. On travaille également avec les prisons avec les archives des prisons d'Arlon, Marche et Neufchâteau, qui ont été versées il y a quelques années donc, aux archives de l'État à Arlon. Ici, dans le courant de l'année 2017, donc un grand nombre d'inventaires paraîtront. Mais également, en plus des inventaires de prison, il y a également les inventaires des centres d'internement, qui donc ça c'est vraiment la découverte de notre travail dans ces archives. Donc on est vraiment tombé là sur quelque chose de très surprenant. Donc les gens pensaient que on n'avait pas conservé d'archives des centres d'internement. Et on s'est rendu compte en fait que notamment à Verviers, on a récupéré donc 3 centres d'internement, à Saint-Léonard également, et à Huy, hein. Donc ça fait, rien que pour la province de Liège, déjà 7 centres d'internement. Donc en parallèle à mon travail sur les établissements pénitentiaires, j'ai été amenée à travailler sur les archives des juridictions militaires de Namur et de Liège. Ça a débouché en fait sur un partenariat plus large avec 2 autres collègues, Christophe Martens, qui travaille à Anderlecht, et Paul Drossens, archiviste en Flandre. À nous trois, nous avons dressé en fait un panorama le plus large possible des archives des juridictions militaires pour arriver à déterminer où trouver quoi. Puisque les archives des juridictions militaires, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les chercheurs ont souvent du mal à s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un guide. Et donc dans ce guide, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ben, un bref historique. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on donne toutes les règles de consultation qui sont très strictes concernant tous les documents des juridictions militaires. Et en plus de ça, on décrit pour chaque type d'archive où est-ce que le document est classé, est rangé. Donc, par exemple, à Liège, nous avons des archives ici, mais il y a également des documents qui sont conservés au dépôt AGR2 et également au palais de justice de Bruxelles. Donc, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et grâce à ce guide, vous avez, par période chronologique et par type de document, un endroit et une personne à qui vous adresser.